Stéphane Virage, je suis charpentier à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Donc mon parcours professionnel, c'est plutôt... Donc j'ai pas fait des études du tout dans la charpente. J'étais dessinateur industriel, mais en mécanique. Et j'ai sorti du bac, je suis allé travailler en forêt. J'ai travaillé à l'ONF, en tant qu'ouvrier forestier. Et puis, par hasard, je suis tombé dans ce métier en n'ayant plus de travail sur l'automne. J'ai trouvé mon ex-beau-père à l'époque, qui était charpentier, et qui me dit j'ai besoin de quelqu'un, et je suis parti là-dedans, et je n'en suis jamais ressorti. Donc il m'a formé via les compagnons à Grenoble, après, par la suite, quoi, je suis retourné à l'école, et j'ai parcouru 11 ans avec lui, et après, mon père étant artisan, s'est mis à sa retraite, et finalement j'ai eu l'opportunité d'avoir des locaux, du matériel, j'ai racheté tout ça qui était un peu en similitude, et je me suis lancé à mon compte depuis 2009. On va partager l'année en quatre, on fait trois trimestres sur les toits, à la belle saison, printemps, été, automne, et puis après, l'hiver, ça sera plutôt du boulot d'intérieur, comme des escaliers, ou des parquets, ou de l'agencement intérieur, voilà, ça sera plutôt comme ça. Quoi. Ça c'est de l'orme, les derniers ormes de Chartreuse quasiment. C'est une main courante d'un escalier là, que je suis en train de poncer, qui est courbe. Parce que des ormes, il y en a très peu. Il y en a plus beaucoup, ouais. En fait, le problème de l'orme, il sèche sur pied. Ils ont une maladie, en fait, ils se protègent de cette maladie, c'est eux qui s'autodétruisent en fait. Donc ils sont secs sur pied, on les exploite secs sur pied, mais il n'y a pas de régénérescence. Ils arrivent à 10, 15 cm et après ils meurent. Alors on en trouve encore des gros, qui ont séché sur pied et tout. Et là, ceux-là, ils viennent d'en dessus du monastère Curière. Donc je les ai achetés à l'ONF et j'y suis allé avec mon voisin, là, qui est garde forestier, qui nous disait là j'en ai acheté 15 mètres cubes, il en restait une petite dizaine de mètres cubes et après c'est fini. On n'a plus d'orme en Chartreuse. Les gens, je trouve qu'ils sont quand même relativement sensibles au fait qu'on utilise du bois de Chartreuse. Moi, je sais que sur mes devis, tous les bois de structure, à chaque fois que c'est marqué bois de Chartreuse. Voilà, je référence ça et c'est vrai que les gens, ils sont assez sensibles. Ils aiment qu'on ait une filière locale. Moi, surtout, moi aussi, je veux, on a une économie locale autour de cette forêt. Ça va faire travailler les bûcherons, les transporteurs, les débardeurs, le scieur du coin. Voilà, il y a toute cette économie locale et nous, on est au bout de la chaîne. Si on ne l'utilise pas, on la perd, cette économie locale. Sur la filière bois, du bois, on en aura tout le temps. Le problème, c'est pour le scier, parce qu'on a nos scieurs qui arrivent à la retraite, dans 4-5 ans, que ce soit M. Caillé-Barrios ou M. Sour. Et là, on commence sérieusement à se poser la question, quoi. Parce que, moi, je veux vraiment travailler avec du bois de Chartreuse. Et là, on ne sait pas trop comment ça va évoluer, quoi. On se pose la question avec le CIBC, hein, justement. Hein. Je pense que le parc, c'est plutôt sur la filière bois, mais le début de la filière bois, quoi. Faire connaître nos bois, les exporter, les vendre ailleurs, les valoriser, quoi, avec Staocé, avec,
avec cette communication qui va faire qu'on va connaître nos boîtes chartreuses et pourquoi pas en vendre ailleurs. Hein. De toute façon, on a déjà d'autres scieries, des scieries de Savoie viennent acheter du bois en Chartreuse. Il y a Frison, il y a Buisson qui est sur le Nord-Isère. On a quand même beaucoup de... Voilà, ça commence à s'exporter, quoi. L'ONF, eux, ils ont un système, c'est qu'ils ont la vente des coupes, en fait. C'est tous les acheteurs de bois se réunissent et ils vendent ça un peu aux enchères. Hein. C'est vraiment, ça ressemble vraiment aux enchères, hein. C'est au plus offrant. Et donc, c'est soit les scieurs qui achètent, c'est les scieurs qui achètent, hein. De toute façon, c'est eux qui le transformeront. Et le scieur, lui, leur vend soit aux professionnels comme moi, donc à des charpentiers, des menuisiers, soit aux particuliers directement qui a demandé un débit soit classique, soit sur liste. Voilà. On n'a pas parlé du transporteur. Donc lui, en fait, il n'intervient pas dans l'achat du bois. Hein. Il est vraiment missionné pour transporter le bois à la demande d'un client, hein, que ce soit un professionnel ou un particulier. Voilà. Le circuit du bois, la vente du bois. Et nous, on la revend au client, bien sûr. le dernier maillon de la chaîne. Un jeune qui vous dit, mais qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier de charpentier? Un gamin de 10 ans, naïvement, il vous dit, mais qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier de charpentier? Moi, c'est de me retourner tous les soirs et de voir ce que j'ai fait. Voilà. Je pourrais pas faire un métier de bureaucrate où le soir, on ferme son ordi, on rentre chez soi et... Oh, moi, ça me frustrerait, quoi. Je serais frustré. Moi, il faut que je voie ce que j'ai fait, quoi. Voilà. Ouais. Et avoir des retours, des clients, c'est chouette, c'est... Voilà.